podcast. Ça fait trop plaisir. Alors là, c'est pile et face. Bon, ces deux-là, ils vont vous faire chier tout le long, mais... Enfin, ils vont me faire chier moi plutôt, hein. Pas vous. Mais j'aime bien comment ils ont été faits, ces deux-là. C'est horrible. Qu'est-ce qui est horrible, hein? Non, en vrai, je les aime bien, pile et face, mais ils sont chiants, Ils sont chiants, en fait. Je trouve qu'ils prennent de la place dans le dialogue pour rien. Yo, Chrysotemis. Bonsoir, les viewers de Banana, sir, vous allez bien? Yo, Droff. Je vais bien, et toi? Et Yo, Kenlord, tu vas bien? Ouais, plutôt Redroff, ouais, plutôt. Allez. Attendons d'aller voir la majesté, Elle ne veut voir personne, revenez plus tard. Yo Cloud Thorn, tu vas bien? En fait, ça va, y a pas eu tant que ça de redesign du jeu, c'est juste les personnages, enfin les PNJ qui ont été refaits et tout, donc bon. Mais sinon, au niveau des décors, c'est toujours les mêmes. C'est pour ça que c'est vachement pixelisé quand même. Enfin, c'est pas tant que ça pixelisé, mais ça l'est quand même un peu. La princesse est introuvable, c'est horrible. Attendez-moi là. Alors par contre, elle, je trouvais ce personnage trop OP. Bit. Elle était trop forte. Il semblerait qu'elle soit partie très vite avec le pendentif du trésor national. Comment, mais à quoi pense-t-elle? Général Bit, à vos ordres. Yo Jojo, tu vas bien? Et là on va garder Steiner, Capitaine Steiner. Ça va, tout va bien. Ouais, enfin, tu sais, on peut rien y faire. Normalement, c'est... Beat from beating, tu vois. Enfin, de l'anglais, quoi. Rassemblement. Et là, tu vois, la musique change totalement avec Steiner. Tu comprends que le personnage est un peu lourdingue. Rien que par la musique. Alors, Brutus numéro 2, Blouch. Coel, Brutus numéro 3, au rapport. Et ils sont à poil, les pauvres! Ils se sont fait racketter par Jidan et son pote. Il a du mascara, ouais, c'est vrai. C'est Béatrix son prénom? Je savais pas du tout. J'en apprends des choses. C'est à Moglier que je dois envoyer. Tu feras attention, le héros personnel s'appelle Zidane. Jidane. Jidane. Yokela, tu vas bien? S'il vous plaît, respectez-les. Et yo Polder, j'espère que tu vas bien. Ah ouais, mais non, c'est pas vraiment ici, ça c'est la scène. Ça n'a rien à voir. Je sais plus trop où est-ce que je devais aller chercher, mais je vais visiter un petit peu. Je vais même récupérer des trucs au passage. Ça peut toujours être sympa. Voilà, ah, y'a Quina, tiens. Elle était déjà là, Quina? Je m'en souvenais pas. Quina, c'est un des personnages qu'on va récupérer au fur et à mesure. Ah ouais? Je crois pas, hein, que je dois lui parler ici. Bon, y'a pas l'air d'y avoir grand chose. C'est un chef Queen Ambada, d'accord, j'ai cru que c'était Quina. Mais... Ah, j'arrivais pas à passer.
moi je fais principalement du League of Legends, mais vu que j'ai pas spécialement les possibilités de jouer à LoL en ce moment, je fais que des jeux à la manette. Donc principalement du Final Fantasy. Putain, je suis en train de bouffer là, sérieusement? Ok, d'accord. Notre cuisine est la meilleure du monde. Ok, j'étais en train de manger. Mais ouais, je fais beaucoup de Final Fantasy. C'est censé représenter une fleur, mais c'est en train d'être changé. Je suis en train de travailler. Je suis en train de travailler le nouveau logo avec un ami. Qui sera plus représentatif du stream. C'est juste que, en attendant, j'ai mis cette fleur parce que c'est. Comment dire? C'est la fleur qui représente mon prénom en chinois, tout simplement. Mais c'est pas représentatif du stream. Et là, on est dans la bibliothèque, mais je suis pas sûr qu'il y ait quoi que ce soit, en fait. À part des livres, forcément. Mais je pense pas que j'aurais des trucs à récupérer. Même si ça m'aurait fait bien rire d'aller récupérer des trucs. Non, c'est pas hibiscus, c'est... C'est une fleur de jasmin. Ouais, je parle chinois, j'ai fait des études de chinois. Bon, c'est par où là? Normalement. Ah, c'est dans cette tour, c'est ça. Sérieusement, si je pars, je perds l'objet? Le chinois mandarin, que là, ça te va? Comment je peux perdre l'objet, sérieux? J'ai compris ce que tu voulais dire en fait, Cloud Thorn, mais tu sais que c'est pas bien. Tu sais que c'est pas bien. Le problème c'est que Kellen, en général, quand tu dis je parle mandarin, les gens ils comprennent pas. Tu vois, c'est ça le problème, donc c'est plus simple de dire le chinois. Bah du coup je vais voir comment la reine en fait, j'ai pas compris comment je devais aller la voir. Ou alors tu me trolles. Elle est à l'étage? Ok, bah je vais essayer d'y retourner. Hein. Il y a une figurine à récup? Mon dieu quoi, il y a trop de trucs à récup. Hein. Attends. Comment on y accède en fait tout simplement? C'est par là? Non, ça c'est pas assez, c'est pour aller voir Jidan et tout quoi. Non, c'est mort, je vais me faire avoir. Et là c'était la cuisine. Je suis perdue. Je sais pas comment aller à l'arène. C'est haut vers le bas, ok. Bien haut, sérieux? Mais vous êtes sûr que je vais pas vers Jidan là? Vous me faites trop peur. Voilà, je sais que c'est la bibliothèque donc ça change rien quoi. Ça mène au balcon de la reine. Ah, ok. Bon, je suis un boulet depuis tard, je perds mon temps ici. C'est pas grave. Ok, ok, je vais y aller. Je sais pas où est la figurine, mais je pense que je pourrais la récupérer bientôt, non? Enfin, je pourrais toujours revenir la récupérer, non? C'est la lunanite? D'accord. Bon bah ça va, je l'ai eu.
Du coup, je dois aller où pour retrouver les autres, là, les deux osios? C'est pas par là. Maintenant, je dois aller où en fait? C'est pas par là. Mais c'est pas non plus par là, quoi. Non? T'inquiète, moi non plus, je me souviens plus du jeu. Ok, il me manque qui là? Tous les trouver? Attends, il m'a dit quoi là? Attends. J'en ai vu trouver que 7 sur 8, j'en ai eu 2, Blutch, Coel, Loda, Tuggebon, Weimar, Hagen. Ok, bah il m'en manque un. Fais chier, il m'en manque un, il faut que je trouve le dernier. Y a des gens qui ont un jeu gratuit, comment. Qu'est-ce que tu veux dire par jeu gratuit hein? Ouais, mais je pense que je vais quand même aller chercher le dernier. Je pense que, il doit pas être trop loin. Bon, déjà là. Lui là. Ouais, il s'est barré. Pas s'il va revenir. Oh merde! Faut pas que je loupe. Non, c'est pas lui, hein. Pas lui non plus. J'ai pas trop cherché dans la bibliothèque, ça se trouve, il y avait quelqu'un. Non, je peux pas avancer plus dans la bibliothèque. Bon, c'est sûr, c'est pas dans la bibliothèque. Au moins, ça c'est check. Enfin, du moins, pas dans la partie est. Peut-être que je devrais regarder la partie ouest au moins. Là, y a rien. Merci Chrysotemis pour ton follow. Bienvenue sur le stream. Mais non, y a rien non plus ici, hein. Vais tester par là. Ou alors, j'essaie de parler à celui-là. Non, celui-là il fait la ronde de l'autre côté. Hein. Ah, ça doit être lui qui me manquait. Hein. Non, c'est pas lui. Ah, quoique, attendez. Il n'y avait pas un truc par là? Non. Merci Cloudtown pour ton follow. Et bienvenue à toi sur le stream aussi. Mais non, mais c'est chelou. Hein. Je pense que je l'aurais tout. Enfin, que je les ai tous trouvés là. Hein. Merde! Ah, je me suis gouré. Non, je pense que je les ai tous trouvés là. Mais!
Pourquoi tu fais ça? Hello, Mint Berry Crush. No, the game. I put the game in French for my viewers. Oh yeah, there's no English here. I'm sorry. I don't think you will be able to follow the story, except if you already know it. Je crois que je les ai tous trouvés. Je suis pas totalement sûr, mais ouais. Lorsque je les avais déjà trouvés et. Ah mais celui qui court dans les couloirs, il veut pas me laisser le choper en fait. Alors j'ai l'impression qu'il fait exprès de d'être inaccessible. Alors c'est normal qu'il fasse que ce chemin là. Ou alors il m'esquive. Ou alors c'est l'autre là. Il m'esquive en fait, c'est l'autre type. C'est l'acolyte de Jidan. C'est possible non? Ouais non c'est bon. Il te troll, tu l'as mis au travail donc il court, d'accord. Ok ok non bah j'ai rien dit alors. J'ai rien dit. Ok, that's good then for you, Mint. Ok, non, c'est bon, je l'ai. Je sais, c'est bon. Je sais pas ce qu'il était, Franck, mais je m'en fous. Tant que j'ai l'élixir, c'est tout ce qui compte. J'ai un nouvel objet dans mon. J'ai pas le droit d'être fatigué. Je dois chercher la princesse. Et en fait, elle est là en train de gambader avec Jidan. La cinématique ici, je la trouve vraiment magnifique. Genre les graphismes de l'époque étaient juste trop beaux. Enfin, de l'époque, hein. Une chose est sûre, ils se sont pas toujours aimés les deux, hein. Mais la tenue de Steiner me faisait bien rire. Où elle est passée? Eh ben non, elle t'est tombée dessus. Je sais pas s'il y a pas un objet à récupérer par là. Non, y'a rien. J'aime trop fouiller pour être sûr. Un instant. Il est à 20 euros à Jiba Fall.
Et donc là, il y a Ruby qui va faire chier. Si je me trompe pas, c'est Ruby, hein. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que tu veux dire par là? On verra ça plus tard. Tu peux l'acheter via Steam, Jilfall. C'est juste 20€, il y a eu un petit lifting et tout au niveau des personnages, des cinématiques et tout, et je le trouve vraiment bien pour le moment. On n'a pas vraiment suivi le plan, mais on l'aura quand même enlevé. Hein. Alors. Faites partie de cette troupe. Mais. Bah oui, je pense qu'on l'avait deviné. Ramiwa, j'ai une requête à vous présenter. Ne pourriez-vous pas m'enlever sans délai? Et ça, c'était clairement pas prévu, mais oui. Elle vient par ici. Comment ça, il y a combien de paix Legend, je comprends pas ta question là. Ouais, mais ils aiment bien les jeux de mots pourris sur ce chat. Bah, par rapport à l'époque où est sorti FF9, bah non, je trouvais que les cinématiques étaient quand même vachement bien faites. Même si par la suite, avec FF10 sur la PS2, c'était encore mieux, tu vois. Genre pour un jeu PS1, je trouve qu'ils ont vraiment géré. Hein. Désolé, pardon. Et ça, c'est Franck. Non, mais ouais, mais il n'y a pas d'épisode avec FF9. C'est quand une fois. Enfin, à l'époque, il y avait quoi? Il y avait 3-4 CD, mais sinon. Ah, oui, non, mais ce que je voulais dire par là, Legend, c'est que c'est la première partie du jeu que je fais là. C'est pour ça que j'ai mis EP1, quoi. C'est tout, hein. Pour dire qu'il y a déjà le premier. Enfin, comme ça, tu vois, quand je mettrai en titre EP2, bah, il y aura déjà le premier épisode, enfin, la première partie sur YouTube, tu vois, c'est surtout ça. Coucou Soulkitix, tu vas bien? Ah, bah oui. Et là, il va tout faire pour l'empêcher, en fait, de passer. C'est Franck. Il va tout faire pour empêcher Steiner de passer. Je pourrais bien t'amener amoureux. Bon là quand même il faut que j'essaie de récupérer un maximum de trucs vu que enfin, vous saurez tout par la suite dans tous les cas. Je sais pas combien d'heures je vais rester sur FF9 ce soir, mais je suis déjà bien partie, ça c'est sûr. Oh merde! Oh merde! Et voilà, on croise quand même Steiner. Tout va bien, votre enlèvement se passera sans problème. Notre protection, notre surveillance, notre responsabilité. Non, je jouerai jamais pour Excalibur 2. En fait, je peux le faire au moins une fois, mais ça va trop me faire chier de claquer 12 heures juste pour avoir Excalibur 2. Et surtout, en fait, ce qui me gêne, c'est que je peux pas profiter de l'histoire si j'essaie d'avoir Excalibur 2. En fait, je loupe beaucoup trop de trucs pour que ça soit vraiment intéressant d'avoir Excalibur 2. Et moi, j'ai toujours préféré jouer à FF pour l'histoire et pas pour le reste, en fait. Genre, tu me verras jamais, par exemple, jouer à FF10 et le faire en NSG. En fait, je ferai jamais du Nosphere Grind. Ah bah tiens, il y a des peluches.
Tout comme je ne ferai jamais de speedrun parce que j'aurais pas l'impression de profiter du jeu. En fait, il y en a qui adorent ça parce qu'ils aiment bien, tu sais, se lancer des défis, des challenges et tout sur les jeux. Mais c'est pas moi en fait, c'est pas mon truc. Tu cherches quoi comme type de jeu, Cloud Town? Je peux t'aider, hein. Nous avons arrêté ce suspect. Serait-ce pas Marcus? Serais-tu donc amoureux, toujours amoureux de Cordelia? Quand bien même Cordelia serait à l'urgence de toi, elle n'épousera jamais quelqu'un de ton espèce. Comment ça, une qui dit je vais pas aimer FF15? Mais si! Même si l'histoire, enfin même si je sais que, enfin même si je me suis déjà un peu spoil le jeu, l'histoire et tout, c'est pas grave, enfin ce sera différent quand je le ferai moi-même. Un jeu ferme qui distrait mais qui est pas chiant. Honnêtement, j'en ai aucune idée. C'est vrai que tous les jeux que je fais en général sont payants, et je les paye ou alors on me les paye, donc c'est compliqué. J'ai toujours aimé le théâtre, mon dieu. Quand tu vas jouer, la reine Branée nous regarde. La narration est bof à ce point-là. Coucou Poca, tu vas bien? Marcus, je désespérais de te revoir. Je ne vais plus te quitter, emmène-moi où bon te semblera. Putain, la gueule de Steiner! Renier, accepter leur amour. Mais regardez la gueule qu'il tire! Ah, tu ne veux plus le quitter? Jamais je ne t'y autoriserai. Cordelia, tu épouseras le prince Schneider. N'est-ce pas, prince? Qui, moi et la princesse? Tu es les tous. Ils sont trop forts, fuyons. Non mais tu continues. Non mais donne-moi des infos, Cloud Town. Là, je sais pas, je trouve pas en fait. Ne me contrarie pas. Si je veux ce mariage, c'est pour toi. Comprends-le. Je ne te laisserai pas faire lire. Revoilà le temps des impôts en mémoire de mes parents et pour Cordelia. Je vais goûter à ma lame. Donne-moi mes... Cet homme est toujours mon père. C'est si beau, il y a la reine Branette qui est à fond dedans, quoi. Ouais, Grenat. Elle s'en bat les steaks. Et ta Bibi et Puck qui ont pu voir la scène sans problème d'Aloïse était. Ah oui, non, mais la guilde de la reine est pas mal, hein. Franchement, je la trouve priceless. Cette scène aussi est assez épique. Eh bien, je... Bah, je sais pas. Coucou Maxou Maxou. Pourquoi gay? Arrêtez la princesse. Moi non plus, je vois pas trop le rapport de Cloud Town, mais c'est pas grave. Pour Sautard Inc. Non, ça va. En fait, ce qui me fait chier, mine de rien, c'est que. Comment dire? Bah, Grenat et Bibi font pas de dégâts à l'auto-attaque.
au coup blanc, pardon. Et donc, je suis obligée d'utiliser leur magie. Le souci, c'est qu'ils ont pas énormément de mana pour pouvoir utiliser de la magie. Hein. Donc, bon, redécarion. Pourquoi ce jeu serait bizarre hein. Ouais, le vrai Dekirion. Seul et unique. Mais bon, je vais faire avec. Hein. De toute façon, c'est que les premiers combats, ça compte. Enfin, il n'y a rien de très très dur, quoi. Tout ça pour ça. C'est gentil, merci encore pour ton follow et bienvenue sur le stream, Maxou. Cette scène aussi est très très bien, je mute. Hein. Cette fois, il y a un bonbon avec. Il va peut-être falloir que je le tue avant, non? Je peux pas en invoquer un seul? Ah, je peux pas en invoquer un seul! Oh mon dieu! Non, mais t'inquiète pas, Maxou, il te troll. Y'a rien de méchant. Enfin, je crois, hein. Cordilos. Mais oui, c'est trop bien, FF9. Même si je me souviens plus vraiment de l'histoire. Cloud Thorn, il y a écrit Kappa. Il avait écrit Kappa. C'est ironique. Faut pas tout prendre au premier degré. Hein. Pantagruel, c'est quoi ça déjà? Est-ce qu'on va se faire exploser par le bombo? Je m'en souviens même plus. Hein. Cube. La succube va exploser, mais on n'est pas censé s'enfuir en fait, genre. Bon, forcément, vu que la succube a explosé, ça a un peu détruit le vaisseau des Tantalas. Et ça, c'est pas encore trop grave. Hein. Par contre, la reine, elle est assez vénère, là. Elle est clairement vénère, ça se voyait sur son visage.